se tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre celui qui l'a béni? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Les questions de révolte et de guerre dans ce deuxième psaume, mis en musique par Heinrich Schütz, le chœur de chant de Stuttgart et l'ensemble Musica Fiata de Cologne, dirigé par Frieder Bernus, interprété donc ce deuxième psaume de David mis en musique en 1617 par Schütz, Warum Toben die Heiden. La capitale saxonne de Dresde est l'endroit où s'installe donc Heinrich Schütz en 1617. Il sera l'un des plus grands compositeurs de son temps. Schütz et ses musiciens vont subir malheureusement de plein fouet les effets de la guerre de 30 ans, de cette colère de Dieu dont il est question dans ce texte, et surtout vont être victimes de la terrible indifférence de leur maître, le prince électeur de Saxe. Mais revenons à Prague, où se joue l'avenir du vieux continent. Prague, le 23 mai 1618, deux lieutenants catholiques de l'empereur Matthias II subissent le même sort que les opposants des Hussites deux siècles auparavant. Ils sont défenestrés, jetés d'une fenêtre du château de Prague par un groupe de protestants tchèques. Ils sont également sujets tous de l'empereur Matthias II. Les deux hommes, les deux catholiques qui ont été défenestrés en réchappent. Les catholiques affirment que des anges ont miraculeusement adouci leur chute. Les protestants rectifient en disant qu'ils sont tout simplement tombés sur un gros tas de fumier. Quoi qu'il en soit, cet épisode cocasse de la défenestration de Prague va mettre le feu aux poudres et les chants populaires tchèques de cette époque témoignent de l'histoire. Voici tour à tour, nous sommes debout et ne plions pas, ce que disent les protestants, et juste après, l'évocation d'une des premières batailles de la guerre de 30 ans. After 190 meters, turn left. Jeszcze cały dzień przyjdzie.